Bienvenue sur Chef Ouné TV. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette un peu particulière. Nous allons réaliser un tataki de bœuf. Alors un tataki, c'est quelque chose d'à peine cuit, donc c'est aller-retour. Ceux qui aiment la viande bien cuite, eh ben, ce n'est pas fait pour vous. Cette recette, elle n'est pas faite pour vous. Donc la viande doit être bleue. Donc ça va être un tataki de bœuf à la coréenne, avec une marinade bulgogi et une sauce. Alors la sauce, elle est particulière, c'est la sauce du tigre qui pleure. Donc c'est une sauce à base d'herbes, de sauce huître, de nyok man, et donc c'est vraiment une sauce, il faut un jour l'avoir réalisée une fois et puis d'avoir mangé de la viande avec cette sauce, parce que ça donne une dimension mais complètement différente à la viande que vous avez l'habitude de déguster. Et là, vous comprendrez ce qu'est l'umami. Hein? L'umami ou le cinquième goût délicieux. Aujourd'hui également, je vais vous parler également du bœuf que je vais utiliser. Donc un magnifique rump steak. C'est donc du bœuf gras basadais. Ce bœuf, il provient bien sûr de la région d'Aquitaine. Et il provient de la ferme de Bérénice. Alors, Bérénice est une jeune femme qui a repris il y a plus d'une dizaine d'années l'exploitation de ses parents en sortant de l'école agricole, voilà. Et elle a repris la ferme de ses parents et elle a fait aujourd'hui un élevage remarquable de bœuf gras à basadais qui sont élevés entièrement à l'herbe et au fourrage, donc aucune céréale, et uniquement avec les fourrages de l'exploitation. Donc c'est une viande qualitative assez extraordinaire, et je ne devrais pas vous le dire, mais d'un prix quand même très raisonnable. Franchement, c'est raisonnable quand on voit la qualité du travail et les investissements que ça a demandé. C'est du bon boulot, voilà, je voulais souligner, et donc je vous engage, donc si vous êtes en région Aquitaine, hein, ils ont un site internet, de commander leur viande, et puis ben, d'aller la chercher sur place à la ferme, et c'est franchement, c'est super sympa. Voilà, donc on va cuire au kamado notre tataki. J'ai fait un petit légume, donc j'ai fait un chop suey de nouilles, que je vais mettre à chauffer dans une partie du kamado, donc dans ce petit plat en terre. Voilà, donc je vous laisse découvrir la recette. We'll be right back.
Donc là, j'ai mis mon Kamado, j'ai donc mis la plancha en fonte. J'ai mis en direct sur la plancha et j'ai mis en indirect sur la grille pour pouvoir chauffer les nouilles. D'ailleurs, qui commencent à chauffer assez rapidement. Ça va vite. Hein. Donc je vais les remuer, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop grillées. Voilà, donc sur la plaque, on va griller à peu près 2 minutes de chaque côté. Donc là, je referme. Donc le Kamado, là, est à peu près à 200-250 degrés. Donc avec la sauce, ça colore tout de suite. Donc j'ai rajouté quelques graines de sésame. C'est ça qui va donner un petit parfum un peu particulier aussi. Voilà, donc là maintenant, on va les retirer. Une belle couleur. Voilà, donc on va découper notre tataki. Donc c'est une viande qui a maturé 15 jours. Plus de 15 jours, qui est d'un rose un peu clair quand même, mais on voit bien qu'elle était persillée pour du rump steak. On voit d'ailleurs un petit peu, hein, il y a quelques petites veines blanches, donc c'est le gras intramusculaire qui est un signe de qualité assez extraordinaire. Donc là, je vois la souplesse. Je peux vous dire qu'à la souplesse, ça doit fondre dans la bouche. Ah, avec la marinade coréenne, c'est vraiment un délice. Voilà, donc là, l'idéal, c'est donc de disposer la sauce du tigre qui pleure. Donc on voit bien la citronnelle, les petits bouts de piment. Voilà, et il n'y a plus qu'à déguster avec les nouilles. Donc on va goûter ce rump steak. Il est très tendre. On sent le tamarin un petit peu, avec le petit piquant des piments, la citronnelle, les herbes, la coriandre. Franchement, c'est magnifique, c'est remarquable. N'hésitez pas donc de mettre un pouce, de vous abonner à Chefoune TV si vous ne l'êtes pas, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, d'acheter mes livres de cuisine. Donc, à bientôt et puis bonne fin de journée.